Salut à tous, c'est Mélina de l'équipe Wesper. On se retrouve aujourd'hui pour un petit récap de l'actualité sportive. Alors que l'on s'interroge sur l'avenir de Mbappé, la star portugaise Cristiano Ronaldo, quintuple Ballon d'Or, est de retour au Manchester United 12 ans après son départ du club. Pour son ultime participation aux Jeux Paralympiques, Marie-Amélie Le Fur a terminé avec les honneurs en décrochant la médaille d'argent au saut en longueur, la 9e de sa carrière. L'athlète français François Dan est arrivé à Chamonix après 20h46 de course autour du Mont Blanc, une nouvelle victoire qui lui permet de s'inscrire dans l'histoire de cette discipline. Championne du monde en 2019, la française Myriam Nicole s'est imposée lors de l'épreuve des championnats du monde de VTT descente sur un des parcours les plus difficiles du circuit mondial. Sur le mythique circuit de Silverstone en Grande-Bretagne, le français Fabio Quartararo signe sa 5e victoire de la saison et accroît son avance au classement général des pilotes. Déjà sacré à Rio il y a 5 ans, Fabien Lamiraux, 41 ans, a remporté la médaille d'or en para-tennis de table. C'est la 4e médaille d'or des Bleus à Tokyo et la 27e au total. Et voilà, c'est déjà la fin, n'hésite pas à nous suivre pour ne manquer aucune actu.